je vous l'avais dit. Suite de notre let's play machin. Oh, il y a des bulles dans ma base. On est rentré de l'Aurora. Et maintenant, je vais pouvoir utiliser mon découpeur laser pour faire des trucs. Et du coup, j'y vais. Voilà. Donc, je suis revenu à la base juste pour faire cette intro. Je vais me prendre des fruits. J'ai pris des fruits. All systems online. Je vais tester avec un mode sans trop de bugs, mais juste une heure ou deux. Bah le truc c'est que c'est pas... En fait c'est que le mode c'était une version bizarre du jeu, enfin je sais pas. Et nous c'est vrai qu'il y avait... c'était des synchros et tout, c'était pas très jouable. J'avoue que... Nous on avait eu full bug par contre. Enfin... Je sais pas. Pas que des bugs en fait, vraiment le jeu était différent. En tout cas, du coup on va aller explorer des carcasses, mais avant j'aimerais bien aller là où j'ai pas encore pu utiliser mon découpeur laser. Et je crois que c'était pas loin en fait de la base d'abord, enfin de la base. Pas loin de l'endroit où on spawn, il y a des carcasses de... Des morceaux de carcasses de vaisseau. Et j'avais pas pu vraiment aller dedans quoi. Donc peut-être qu'il faut que je me rapproche de l'Aurora pour ça. Avant d'aller là où il y a des signaux. Oh le baleine. Là il doit pas en avoir, c'est tout petit. Ah peut-être. Ah si si. Bien sûr, non mais je sais bien ça, Alaric. Je sais bien que vu que le jeu de base est pas prévu pour ça, ça complexifie pas mal. Et en plus, il est apprécié, mais il a un public de niche, vraiment à certains autres jeux où il y a des modes multijoueurs, mais parce que les jeux ont été ultra joués pendant 1000 ans, genre ah bah tiens, c'est ça que je cherchais, genre Skyrim. Let's go, on va pouvoir avoir le truc à pile, trop bien. J'aurais pas besoin de retourner dans l'Aurora pour essayer de le trouver. C'est vraiment mal aux yeux ça. Réservoir à haute capacité, léger. Comment ça? Comment ça? Pour moi, il me faut la station de modification pour pouvoir améliorer mes trucs là. D'amélioration du coup. Oui, c'est plus ça, oui. Ça va charger des piles en fou. En folie là. Ah ouais, on va charger des piles, mais... À s'en faire péter le bide, la batterie. Ok. Bon bah c'est exactement ce que je voulais, je vais peut-être le faire maintenant d'ailleurs. Parce que j'ai pas mal de piles à recharger déjà. Je vais rentrer le faire, on explorera. Va couler. Peut-être celui-là d'abord. Ouais. Là ma base, elle est là. Faut que je change la couleur. De ma maison. D'après ce que j'ai compris, le troisième sera multi. Oui, ça a été annoncé. Mais bon, voilà, on va dire que c'est... On a le temps, quoi. On a un peu le temps de voir venir le machin. Non, c'est pas là. Ça doit être plutôt là.
Oh mais attends. Oh c'est ça qu'il me faut, la station de modification. Donc j'ai quand même déjà scanné un bout de station de modification. Mais où est-ce que c'était? J'ai plus. C'était pas dans l'Aurora en tout cas. C'était avant. Qu'est-ce qu'il te faut toi? Kit de câblage, fil de cuivre, titane. Vous avez vu? Oh mince, il y a déjà plus d'argent. J'ai vraiment essayé de les faire droit. Ça a pas du tout marché. Mais j'ai vraiment essayé. Bon, après on explore quoi? On explore... Ah oui, là-bas j'ai dit. Ah, j'ai passé cette étape. Déjà une à mettre. C'est là. Trop cool. Bon bah je vais manquer d'argent et de... Et de cuivre comme d'hab. Bon le cuivre ça va. Peut-être prendre une autre pile sur moi quand même. Pas grand chose là. Oui. Et j'ai pas de bouffe. Ça, je peux en avoir un sur moi. Bon, faudrait que je me rappelle aussi comment je fais de l'aérogel. Pour enfin avoir ma station de d'épuration d'eau. C'est là-bas. 250 mètres, tu es un peu limite quand même. Va falloir commencer à sérieusement envisager des trucs. Bah, je peux encore l'améliorer, faut que je les trouve. Je crois. La touche X, ça fait quoi? Ça avance tout seul, c'est ça? Oh non, je connaissais pas. Les bébêtes. Le kit main libre, c'est ça. Ah, j'ai pas peur. Je conduis sous-marin sans les mains. C'est bien que j'apprenne ça en 2024. Il y a tant de choses que j'ignore sur le jeu. Ah, mais c'est là-bas, bah on en vient en plus. Enfin, on en vient. En début de soirée, on a été là-bas. Qu'est-ce que c'est ça, par contre? Ah! Chambre d'immersion, ça j'ai déjà. Mon petit vaisseau. Hey, il est beau comme ça. À chaque fois que je choisis des couleurs au pif, c'est trop génial. J'essaie de laisser passer les babettes. J'ai essayé. Oh,
j'ai plus mon 69. Ah bah attendez. Ah je suis tombée. Non. Ok, j'ai exploré un petit peu dans cette zone, mais assez vite fait. J'ai essayé de scanner 2-3 trucs. Mais c'était vraiment en surface. Oh, il est là. Des pompons. Detecting volcanic activity and several unusual electromagnetic signatures in the region. Exercise caution when diving deeper. I'm not really a doctor. I know that's... Je suis pas vraiment docteur. Je sais que c'est ce que dit ma carte, mais je ne l'ai jamais été. J'ai triché aux examens médicaux. Qu'est-ce qu'un médecin doit savoir de nos jours sur la réparation des manuels des os? À quand remonte la dernière fois qu'un chirurgien a ouvert quelqu'un? Des os, pas des os, c'est ce pourquoi les robots sont faits. Les médecins de nos jours lisent des diagnostics sur les ordinateurs. Pour ça, je suis parfaitement qualifiée. Mais à quoi ça sert quand je ne suis pas connectée au réseau principal? Je saigne, j'ai des pustules vertes qui poussent sur les mains. La maladie. J'ai fait un ostoscan et ça me dit que j'ai une irritation de la peau. La seule chose que j'ai étudiée à l'école de médecine était comment mentir de façon convaincante. Comment pourrais-je savoir comment traiter les maladies extraterrestres? Je pense que je vais mourir ici. Bah il est peut-être pas fort en diagnostic, mais il a quand même bien prévu ce qui allait lui arriver. Y'a un d'autre? J'ai pas fait gaffe, pardon. J'avoue, je suis partie direct. Mais c'est tout petit, en général, il n'y a pas grand chose d'autre. Déjà, il n'y a rien à scanner, c'est sûr. Un petit kit de soins, peut-être? Encore, je peux même pas l'utiliser, je peux même pas ouvrir le truc. Non, il n'y a rien, non. Non. Il n'est pas signé en diagnostic, non? Franchement, disons que ça pourrait être pire. C'était son dernier diagnostic, par contre. C'est un... Ça dégoûte. Saloperie de pustule. Bonsoir, pustule. Bon. Eh ben, ça, c'est bien. Je vois pas de débris dans le tas. Dis-je en voyant un. Immense devant moi. Bah, c'est cool. Let's go. C'est ça que je veux. Schéma, entrer dans la banque de données. Ah, je l'ai même pas. C'était mon tout premier schéma. Oh, d'accord. Ouais, super, je peux faire un pot de fleurs. Mais élégant. J'ai pas le point d'exclamation pustule. Ça aurait été cool, mais je sais plus quelle soirée c'était, ça va être difficile à retrouver un peu. Ah, peut-être que Sundu pourrait me dire. Qu'est-ce que c'est? Fusil à stase. Je l'ai fait normalement. Moins. Un truc qui brille derrière quand même. Ah, c'est juste la lumière verte qui est un peu mal foutue. Ok. Welcome aboard, Captain. Non mince, je l'ai jeté dans l'eau. Faut que j'arrête avec les droits.
au sol, j'ai pas vu. Je vais aller voir. Je vais aller voir. Un trou carrossette. Où ça? Parce que ça brille. J'ai confondu. Ça fait deux fois qu'elle te lise, attention. Non, t'inquiète. Je plaisante évidemment. Ah, des piles. Super. Il y a un truc de stockage. Oh, il y a un truc dedans, vide. Bah, nice. Bah, je vais le prendre, tu savais quoi? Eh bah, non, je vais pas le prendre. Si, je vais le prendre. Voilà. J'ai dit, je vais le prendre. Ça sert totalement rien. Mais j'en ai croisé je sais pas combien donc. Bah alors du nouveau entier. Pourtant t'es censé bien voir où tu vas. Enfin t'es censé même que voir d'ailleurs. T'es juste un œil. Par contre y'en a un là. Oui. Trop bien. L'aquarium. Il est où mon truc? Punaise, je suis sortie du mauvais côté. Enfin, j'avais pas fait gaffe, il y avait plusieurs sorties surtout. Ça c'est cool. Par contre, du coup, j'ai eu un petit morceau de station de modification. Voilà, je pense qu'il y en a peut-être d'autres. Ah non, je pensais que c'en était une, ça. Mais c'est juste un truc à ramasser. Ouais, voilà. Je croyais. Et ça aussi. Zut. Salle de scanner, on a pas mal. Hein. On la trouve facilement. Enfin, ça, c'est vraiment le truc. J'ai l'impression que le jeu, il veut qu'on la fasse assez tôt, mais. Rien à voir avec le jeu. Mais je pas envie. Oh, ça, on le savait. Merci, c'est sympa. Merci, Zouazou. Il s'est tapé, mon Cibos. Ah ouais, mais c'est les poissons, ça. Sous prétexte qu'on est dans leur élément, ça y est, ils se foutent sur mon pare-buff en permanence. Merde! Des gènes. En vrai, ça l'enfer. C'est quoi qui a pris. Quoi qui a pris cher? Ah, mais c'est peut-être ceux qui électrisent là. Ça se trouve, ils ont tapé mon Cimos. Moi, oh, j'ai une recette affichée en haut, c'est chiant. Ah! Ok, une bébête. Regardez, hein. Juste dans ce coin-là, si je trouve d'autres trucs au sol. Ah, c'est les électriques qu'on tapait dessus, d'accord. Oh, ça, on le savait. Vas-y, mais c'est qui? J'aime trop quand on est dans les profondeurs qui fait tout noir comme ça. J'aimerais trop qu'il y a certains monstres ultra rares que tu peux voir de temps en temps et qui pourraient pop comme ça. Des trucs immenses. J'aimerais trop. C'est quoi ça? C'est une patate? C'est un œuf! Ouais. Maintenant, je vais pouvoir faire un aquarium. Comme hier dans mon jeu tout pourri où on a fait un aquarium. Et où on a Alt-F4 parce que vraiment c'était tout pourri. Voilà, ce sera pareil mais en mille fois mieux alors que le jeu n'est même pas centré là-dessus.
Là, ce serait un bel aquarium, c'est vrai. Oh, j'ai failli vous foncer dessus. Bidouni. C'est vrai qu'elles ont plein de bébêtes sur elles. Enfin, des coraux et tout. En fait, il y a des trucs que j'ai pas scan. Oui, c'est vrai qu'on peut le faire sur plusieurs étages. On va peut-être faire ça en vrai. Ce sera trop classe. En plus, là, j'ai des œufs trop stylés. Même si je sais pas du tout ce qu'il y a dedans, c'est forcément stylé vu d'où ils viennent. Seulement 3, manque d'ambition. Ah, moi je fais pas un building sous-marin non plus. Non, non, c'est une petite... petite villa seulement. 3 étages, c'est bien. Moi je trouve. Et du coup ça, ça va être un peu limite d'y aller. Ça va être un peu limite d'aller à 300 mètres. Je vais regarder où j'en suis. Je vais regarder où j'en suis niveau amélioration pour mon Simos. Je sais plus jusqu'où il peut aller au max. Mais il peut aller. Je sais qu'il y a MK2 en amélioration. Oui, c'est vrai que les vignes, j'avais dû... je m'en étais aperçu qu'un peu tard que je pouvais les mettre dans l'aquarium, j'avais pas le réflexe. Mais j'en avais fait un petit aquarium, c'était pas dingus. Après, j'en avais fait un grand carré moi aussi, il me semble. Ah, ou alors c'est dans Bilo Zero qu'il y a le grand carré. Il y a un aquarium carré, immense. Enfin, immense, grand. Je sais plus. Carré, c'est Bilo Zero. J'ai plus les souvenirs de Bilo Zero du coup. C'est en cours. Alors. Je vais regarder l'extérieur. Je le fais au-dessus l'aquarium, dans les pièces au-dessus, et je peux le mettre au milieu aussi, mais le problème c'est qu'il faut que je fasse de toute façon une pièce en plus, ou alors je fais une pièce pour l'aquarium et ce serait peut-être mieux. Par là, je fais un truc rond. De toute façon, on va devoir. Oblong, pas carré. C'est quoi oblong? Oblong, c'est quand tu veux dire plomb mais que t'as un souci d'articulation. Je veux pas être oblong. Super. Je la mange quand même. Je peux pas. Merde. Ah ouais, j'ai une valise. Ça me sert tellement à rien. C'est trop bien. J'ai posé ma valise ici. Mes piles. Voilà. Et ensuite les tuyaux. Oh, maintenant je peux faire ça. Ok. Ok, ça part en prod. Je peux déjà le mettre là. Faut que je fasse de l'extérieur. Enfin, de l'extérieur. Non, mais je vais peut-être faire une base d'abord. Ouais.
vraiment, hein. Mais surtout que... Oh, ce serait stylé un aquarium dans le dôme en verre. Dôme en verre pour salle multifonction. Ou alors je fais la pièce rond, l'observatoire. Et ça s'écroule. Ou alors je fais une pièce multifonction avec un dôme en verre. Mais deux étages ça suffit ou il en faut trois pour avoir les vignes? Je peux pas mettre là? Mais vraiment, mais ça, ça a pas de sens par contre. Je pensais que vu que j'en avais mis une, je pouvais continuer. C'est trop chiant. Ça, je comprends pas trop. Y a aucune raison que je puisse pas. Le jeu, il n'aime pas qu'on fasse des constructions après. Elle pousse en raison de la place, peut-être, ouais. Salut Neptunia, pardon. Je sens que je vais flipper. Il y a des monstres dans ce jeu? Oui, mais il y en a plein des gentils. Il y en a un peu des méchants. Enfin, des méchants. C'est comme des animaux, quoi. Donc, c'est tranquille. Juste des poissons, c'est ça. Oxygen. Le monstre le plus compliqué à gérer, c'est celui d'être un terrestre dans un milieu aquatique et de devoir respirer comme un noob. Ok, bah de toute façon la salle multifonction, je la fais monter. Ou alors est-ce qu'on peut mettre un observatoire au-dessus de la salle multifonction? Parce que les observateurs, on peut pas les superposer, je crois. C'est au moins deux étapes pour la vigne. Ok, bon, on va faire ça. Deux, c'est bien. Faut pas faire un truc immense non plus. Moi, j'aime pas les bases immenses. Ça, je vais peut-être le laisser. Ça fait une petite fondation. Il faut du plein. Je vais devoir les farm des compos. Ça me fascine, mais rien que de voir les profondeurs, là, je suis pas bien. C'est beaucoup de... Ça, je comprends, ça. Au blond, c'est étiré. Plus long que large. Mais sans forme précise. Ah, d'accord. Ah bah, merci pour l'info. Extraterrestre. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Monstres n'existent pas, ils sont juste des êtres vivants peu sociables et incompris des humains, bonsoir. Oui, Française. On va dire qu'à partir du moment où on part du principe que c'est peu sociable, c'est que bon, un peu logique d'être incompris finalement. Et bonsoir Osrek, j'ai peut-être mal dit, désolé. Titane, il m'en faut 1000. Il m'en faut 1000 ans. On va faire un aquarium de deux étages. Et j'ai bien sûr pas beaucoup de titane, mais j'en ai pas loin. Juste que... J'avais dit du plein. Il me faut du plein. Hop là. Que je fasse des renforts. Oh, j'aurais trop dû faire un tuyau en verre, ça aurait été trop beau, mais en même temps c'est trop chiant, mais c'est trop stylé. Mais c'est trop chiant, mais c'est trop stylé.
t'aimes trop. Sont les renforts. C'est ça. C'est quoi qu'il faut pour les mettre, Du lithium. J'en ai un peu. J'en ai pas beaucoup, mais j'en ai un peu. C'est bien qu'on en mette genre deux. Genre. Laisse-moi tourner la tête, s'il te plaît. C'est beaucoup quand même. Trop bien. En même temps, ça demande du lithium. C'est pas le truc qu'on trouve partout non plus. Mais ça passe. Bah genre, on va chercher du titane. Il m'en manque combien ? 3. Il peut m'en rester. J'ai envie de réinstaller rien que pour me balader dans ma base. Ça c'est vrai, c'est tellement satisfaisant, surtout quand t'as tout bien pensé, que t'es dans un joli coin. Je trouve que dans le jeu il faut quand même être, voilà, un beau panorama. Bon, mes baleines elles sont loin, mais c'est à sec fin du stream. C'est ballot d'être à sec dans Subnautica quand même. 90% des gens ne disent pas comme il faut. C'est-à-dire. En fait, c'est ton cas. Ils ont augmenté à 10, un seul renfort. Punaise. Je me rappelais les avoir utilisés, mais je me rappelais pas que c'était si balèze. Pourquoi je prends mon scanner? Parce que j'ai la classe avec mon scanner. Y a un truc là? Oui. Déjà, je la trouve trop grande, la base vue de loin là, elle me déprime. Faudrait qu'elle se fonde dans le décor. Faudrait qu'ils puissent mettre de la mousse dessus et des algues partout au pied. Ça, je pourrais le faire. Mais c'est ça en fait, les algues, c'est moi, je les avais fait pousser dehors, dans mon balcon. Oxy, je peux te dire bonne nuit petit Oxley. Oxley, l'Oxy. Des bisous. C'est pas une base, c'est un avant-poste. Moi j'aime bien les trucs cosy. Bon, dans le jeu c'est compliqué. Oh, c'est besoin d'humains nuls. Voilà que je fais. Ok. Deux étages, c'est yam, je pense. On va pas en faire un troisième pour mon aquarium. Même si ça devient un peu tentant. Merde. Bon, on va faire un aquarium 3 étages, c'est pas mal. Je l'ai pas scanné lui, je crois que j'ai pas scanné les dents. Je crois que j'ai jamais scanné les dents. Les dents. En plus, ça débloque peut-être un craft de les scanner, faudrait que je le fasse quand même. Chercher du titane.
possible de l'agrandir après. En frottant dessus. All systems online. Enlarge your aquariums. Il y en a qui rêveraient de faire une base plus grande que l'océan. Que les océans. Non mais super, au bout d'un moment, faire un parking sous-marin. Genre carrément. Dégénéré. C'est si beau! Moi je voudrais être dans les algues. Pardon les poissons, je vous ai défoncé un peu. Je suis trop des eaux. Qu'est-ce qui me vole mon texte pendant que j'ai écrit? Parce qu'on est trop en face, Kato. Après, j'ai passé une bonne chose. Pour toi, surtout. D'être en phase avec moi. Je sais pas. Merde, je voulais scanner. Oh, tranquille. Non mais j'ai juste à la poser et à la scanner en fait, qu'est-ce que je m'emmerde aussi. Je m'emmerde. Je t'ai vu. Oui. On est des dégènes. Qui me dégène? On entend les poissons se cogner contre le paroisse, mais c'est horrible. Oui, bah j'essaye de faire gaffe, mais il y en a beaucoup. Écoute. POV, tu pars en vacances avec tes parents en 1965. Oui, parce que maintenant, c'est plus trop le cas. Avant, il y avait beaucoup d'insectes sur les pare-brises des voitures. Maintenant, ça arrive, mais c'est beaucoup moins en grand nombre. Parce que les insectes, ils sont morts. Voilà. Manger. Vital signs stabilizing. Ça passe. C'était ça, j'avais déjà oublié. Les poissons ils conduisent mal, c'est vrai. C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup d'efforts. Même si j'ai un peu ri. Mais oui, la première fois que ça t'arrive, tu te dis « Ah merde, j'ai shooté un poisson !» Alors souvent, au début, tu vas peut-être les ramasser pour pouvoir les cuisiner, comme ça c'est pas perdu. Bah, je te promets qu'au bout d'un moment, t'en as... Voilà, c'est comme ça, quoi. Ok. Et là, je vais faire le dôme en verre. Un peu du vermeil. Alors, attendez. Je vais faire clic droit là-dessus. Je vais scanner. N'importe quoi. Droit dessus, je vais le scanner. Voilà. D'où? Non, toi tu reviens toi. Quoique. Attendez, je vais refaire un renfort. Attendez. Allez, combien de Itum? Je sais plus. Je vais refaire un petit renfort quand même. Parce que le verre, ça va bien niquer la structure. Donc autant le faire maintenant. J'ai voulu tout, c'est en parlant. Et je vais faire un endroit où c'est pas chiant. Voilà. De part et d'autre. Ouais, 17. Bien ça. Combien de verre et combien de verre émaillé? Deux vermeillés, deux titanes en lithium. Oh. Et un insecte m'a pris les priorités. Le monde de Nemo, ça n'aurait pas duré longtemps. Punaise, tu dis ça alors qu'hier on était sur un jeu. Un jeu. Ça s'appelle The Aquarist ou juste. Enfin, The Aquarist ou juste Aquarist. Ah voilà, c'est pour ça que je me suis mis là. Et
Et c'est un jeu où tu t'occupes d'aquarium, t'as ton propre aquarium, puis après tu t'aides tes parents à nettoyer le leur, sauf que tous les poissons sont morts et c'était des poissons clowns. Et quand tu prends le poisson clown et que tu le fous dans les toilettes, t'as le succès Steam qui s'appelle Free Nemo. Alors que c'est un poisson mort. C'était horrible. Oh, j'ai pas... Je vous conseille pas ce jeu. Bon, en vrai, il était à chier le jeu, mais... il faut que je fasse du vert, puis ça. Ouais, ok. Il faisait peut-être semblant comme dans le film. Ils faisaient tous super bien semblant. J'étais là, j'étais témoin de ton crime. Comment ça, mon crime? C'était mes darons chelous psychopathes, là. N'importe quoi, hein. Deux verres émaillés, deux titanes, un lithium. Même devant, c'est une jolie vue. Ah, c'est trop cool. C'est qui part. Verre et titane. Bon, bah va falloir de toute façon aller chercher du quartz et du titane, clairement. Je vais pas avoir le choix. Je vais mettre mes œufs dans armoire. C'est bon, je me tire. Je devrais pas y aller plutôt à pied en vrai. Moi. Non, flemme. Je sais que le quartz, je peux en trouver par là. Peut-être pas par là. Ou peut-être par là. Non, il y avait une grotte pas loin. Mais c'était peut-être juste derrière là. Le quartz, c'est dans les grottes. Le titane, c'est dans partout. Ok, c'est pourri. Après, sans clown, ils étaient pas drôles. Je sais pas. Ils étaient morts surtout. C'est peut-être ça le summum de l'humour. Ok, j'ai déjà quasiment plus de place avec ces deux trucs. Mais en fait, quartz. Ça c'est un œuf de requin. Vas-y, je prends l'œuf de requin. Là j'ai clairement plus de place. Alors. Mais comme ça au moins j'aurai des dents pour faire des trucs émaillés facilement. Ah là par contre ça peut être bien.
Ah, c'est très bien ça. Place Paris. Voici un peu. Merde. J'ai pas encore scanné lui. J'ai pas beaucoup. Ah si, j'ai de la vie. Mais... Ah, on peut pas scanner. Il me l'a pas proposé, ok ok. Et ça part en prod. Bon, ça va, là, on est bien. Bon, de toute façon, j'ai plus de place. Donc, on va dire oui. J'ai toujours pas changé la couleur. Faut que je change la couleur de ma balise, non ? Mommy Shark. En plus, c'est... Si, c'est ça, c'est Mommy. Après c'est Doggy. Et après c'est fini. Non, j'allais me garer, mais non. On se garde dans le garage. On recharge la Tesla. Welcome aboard, Captain. Par contre, j'aimerais bien sortir de l'autre côté. Si, il faut que je fasse du vert. J'ai jugé la machine en mode, mais j'ai pas besoin de toi. En fait. J'ai pas assez de verre, fuck. Ah, c'est vrai qu'il faut deux quartz par verre. Ça va être hyper long. On fera les étages suivants plus tard, sinon. Là, déjà, ça sera pas mal. Aquariums provide an ideal opportunity to study alien fauna. Up close. Select carefully which life forms you bring on board. They may also be studying you. Ah non, c'est pas ça qu'il faut que je mette, c'est peut-être plutôt ça. Oui. Je vais mettre sur ce teco. J'ai mis une pépette. Ah. Non, c'est pas celle-là. C'est un peu des grosses bestioles, je crois que j'ai vu en aquarium. Surtout que j'utilise... Enfin, je pourrais utiliser mon aquarium de manière logique. Non, non, je mets juste les œufs que j'ai trouvés et je vois ce que ça donne. Que je mette mes plans. Ouais. J'ai drop the eggs. Où est-ce qu'elle bag? Comment ça va? Ah, lui, il a bientôt plus de pinant. Je vais changer ça. Faire ça. Ça, ça. Et c'est super. Ça c'est un début, c'est bien. Par contre, il va me falloir beaucoup beaucoup de quartz pour faire les trois étages. On va peut-être pas le faire maintenant parce que ça va être hyper passionnant.
Et j'aime bien explorer un peu, mais on a fait un début quoi. Bon, par contre, j'ai mes pièces du haut qui sont totalement inaccessibles. Je vais peut-être quand même faire un effort pour faire une échelle. Ouais. Plus tard. J'ai pas envie. Je suis arrivée en sursaut. Comment ça se fait? Voilà. J'arrivais pas à savoir où ranger mes trucs. Naturel, les dents, c'est naturel. Alors les dents, ça va là. Bon, on se tire, on va faire des trucs, on va s'amuser. On va faire des dingueries. Est-ce que j'ai assez de flotte? Bah comme d'hab, pas beaucoup. Normalement j'ai encore de l'eau d'avance. Ça va. Mais comment ça... Ça va être compliqué un peu. On va explorer. Moi je vis pour l'exploration dans ce jeu. Où c'est-il qu'on va? Qu'est-ce qu'on fout? Attendez, j'avais dit la balise, je change la couleur. Hop là. Merde, pas du tout. Ah mais c'est pas ici, c'est là-dedans. Assez de couleurs. Alors on a ça là-bas à explorer. Le truc c'est que ça va commencer à être un peu trop profond. On va voir. Je vais voir un petit peu. Pardon. Faut faire des singeries, c'est vrai. Comme disent les chuns. D'après notre cerveau malade. Je vais où là? Ah oui. De me rappeler ce qu'il y a dans cette zone d'intéressant. C'est ça. Bah rien. Je peux même pas le scanner. Ah, ok. J'ai scanné ça? Oh le sac gélatineux. C'est peut-être ça pour le truc que je veux que... Je sais plus quoi. Non, pas du tout. Je veux faire un... Oh j'ai oublié le nom. Un aérogel je crois. Je me rappelle que ça, ça servait les sacs gélatineux à un truc et j'ai totalement oublié ce que c'était. Ça fait si longtemps. Je suis un peu limite moi, faut que je fasse gaffe par contre. De recharge un bateau de capacité. Ok. Pas très nécessaire en vrai ça. Non. Peut-être plus tard. Tu... Capsule temporelle.
arrête avec le truc. Super, qu'est-ce que j'en fous de ta merde là? Oh la capsule temporelle de nul. Continue là-bas. Mais ça, je peux peut-être y aller quand même en 6 mois. En fait, c'est pas là où je dois aller. Mais je vais quand même. Hérogel, oui, c'est ça. C'est le sac gélatineux? Pourquoi ça me l'a pas débloqué alors? Il faut que je trouve le plan, peut-être. Bon, j'en prends 3. Là, on a perdu. Aïe! C'était un de ces trucs. Mais j'ai pas fait exprès. Hein. Le poisson, il a crié. La pile dedans 500. Oh putain! C'est possible ça? J'avais pas fait gaffe. Merci pour l'info, je l'aurais jeté. Je savais même pas qu'il y avait des piles améliorées. Ah si, peut-être. Quoi? Oh, la musique, elle m'a mis une pression. Salut Monkey, oui c'est stressant, oui. Je sais pas ce que j'ai fait pour déclencher la musique, mais c'est déclenché vraiment d'un coup dans le noir le plus total. Regardez s'il y avait un truc derrière, je sais pas. Ah ouais, les capsules temporelles, du coup, c'est quand il y a un joueur qui est mort, non? Il a tenté de survivre tant bien que mal dans ce monde hostile, et peut-être mort dans d'atroces souffrances, a essayé de laisser un héritage au cas où quelqu'un serait dans la même galère. Et là, on le cadeau nul. C'est pas ce que je voulais dire. C'est je voulais dire que le cadeau est à chier, c'est tout. Hein. Ah. Ce qu'il faut pour stimuler la terreur. Peut-être, mais moi j'ai besoin de faire mon aquarium, ok? Un cadeau revendu le 25 décembre au soir. Vous avez déjà revendu un cadeau pour de vrai? Moi non, jamais. Par contre, j'en ai déjà rien fait du tout, mais voilà. Je vais mettre mes quartz dedans. Ah, c'est pas là. C'est une pile de quoi qu'il avait de 500. Je sais plus où il est le stockage.
On est là normalement, non? Il est là. Ah, c'est les piles ioniques. Ok, je m'en rappelais pas. Je m'en rappelle pas du tout. Je continue à prendre du quartz, moi. Mais à la base, je devais aller quand même là-bas. Même pas chargé ce radin. C'est vrai. C'est vrai que pour que je sois vraiment contente, au bout d'un moment, faut pas qu'on m'offre un jouet avec des piles usées dedans. Voilà. Quand on revient en cadeau de Noël, bon bah c'est quand même une absolue déception. Ils sont tombés les araignées. J'ai scanné. Mais bon, moi je vais pas les scanner. Finalement, j'ai changé d'avis de manière totalement volontaire. Pardon. Il en est où? 70%, ça va. Il y en a qui font des petits cris. Ah, les sensus! C'est les sensus! Elle me sensus! Par là ou pas? Ou c'est pas par là? Mais c'est pas du tout par là. Ah, c'est peut-être plutôt par là. Lux the Divers. J'en fais demain. Mais c'est pas loin, effectivement. Salut Galwen. Enfin, re même. Keen, this is Aurora. Keen, ici l'Aurora, répondez. Lightpod detached, okay, planet fallen 30 seconds. The computer has identified its landmass at the attached coordinates. I want you to regroup the crew there. Understood, but they are your responsibility. Toi, je parle. Merde. Je veux que vous regroupiez l'équipage là-bas. Entendu, mais ils sont sous votre responsabilité désormais. Ne les laissez pas tomber. Capitaine, vous devez évacuer. Négatif. Vous avez besoin d'un vaisseau en un seul morceau. Si vous voulez prendre le contact avec le QG, avec le transmetteur longue portée, je vais tenter une descente contrôlée. Explosion de l'Aurora. Explosion de l'Aurora. Capitaine. Grouillé. Bonne tentative. Mais voilà, ça par exemple, c'est vraiment un type d'enregistrement qu'on a énormément. Qui raconte basiquement le crash. Ça, on l'a vraiment beaucoup. Trop à mon sens. Ah, j'ai eu quoi comme plan par contre? J'ai eu 1000 trucs. J'ai eu des nouveaux schémas. Il a spammé mon machin. J'ai rigolé, elle me sent suce, ça fait partir caler de mes bras.
Oh, pauvre Curly, je voulais pas. J'arrêterai d'être drôle, même si c'est très très compliqué pour moi. C'est trop naturel. Tu envoies un exemplaire de chaque plante utile dans le jeu, dans une capsule. Mais ça, tu le fais toi-même. Ah oui, tu peux crafter une capsule de survie. C'est ça. Est-ce que vous voyez une grosse crotte de Sea Trader? C'est... Moi, qu'est-ce que j'envoie s'il fait une capsule, il n'y a plus personne qui joue au jeu? Mais si, il y a des gens qui jouent au jeu maintenant. Découpeur laser. Non, non, je l'ai fait tomber, sorry. Je voulais pas. Meilleur carburant du bioréacteur. Ah ouais? J'utilise très peu le bioréacteur. Ah, c'est le meilleur carburant. D'accord. Je croyais qu'il y avait un doublage français. Ce serait bien. Il y avait Stream Dredge. La découverte. J'étais pas allée plus loin. Et c'était une ambiance assez sympa, Dredge. Je voulais pas faire attention, hein, mais bon... Hop là. Merde, j'ai mis le mauvais pseudo. J'ai pas mes raccourcis de ban, fais chier. Mais genre, je l'avais sur Twitch. Twitch, j'ai pas encore les réflexes. Le réacteur nucléaire est tellement efficace que tu as pas à recharger. T'as pas à le recharger de toute la partie? Ah, moi j'ai jamais testé, du coup je me suis dit que ça allait possiblement être chiant. Mais du coup, ouais, j'avais juste testé Dredge et Et bon, je sais pas si à stream c'est très intéressant. Franchement, c'est vraiment ça qui a fait que j'ai pas continué. C'est que j'ai bien aimé, je crois que j'ai même continué un petit peu en live d'ailleurs, si je me rappelle bien. Mais j'y jouais via le compte d'un... Enfin, le partage familial de mon frangin, je crois. Du coup, je pouvais pas non plus jouer vraiment quand je voulais. Système d'extinction d'incendie de Cyclope. Oh, nice! Et je pense qu'à stream c'est pas le plus passionnant. Donc je me suis dit bon bah voilà, petite découverte, je suis contente, mais j'étais pas allée plus loin. Et sinon je pense que je pense qu'il a vraiment de quoi te plaire le jeu. Peut-être à regarder juste, je sais pas. Pile quand j'ai dit que j'allais le streamer, ah je savais pas. Ouais, mais bon, c'était plus compliqué quand j'ai voulu le stream parce que j'avais genre 15 viewers, quoi. Et du coup, c'est plus difficile d'agripper 15 viewers. Donc c'était un petit peu ça aussi. Quand t'as un peu plus de monde, tu peux... Voilà, généralement, dans les gens, il y a forcément des gens qui vont apprécier ce que tu streams. Mais j'avais un peu peur de ça pour Dave the Diver aussi, hein, j'avoue. Il y a des jeux qui sont cool à faire, mais à stream, je sais pas. Si on aime Lovecraft, ça a l'air très cool. Ouais. Mais il est vraiment... moi, je trouve qu'il est bien. Sur vraiment l'ambiance assez spéciale et tout ça. Les textes sont sympas et tout ça. Et le côté évolution du bateau, parce que c'est ça qui est important dans Dredge, c'est de faire évoluer ton bateau pour pouvoir aller de plus en plus loin et faire de plus en plus de trucs. Et ben, ça avait pas l'air si lent que ça.
Donc ça c'est plutôt cool. Les gens aiment Dave the Diver. Ouais. Oh, lequel jeu j'écoutais pas Dredge. Est-ce que je l'ai déjà ça? Oui. Ça me blairait. Je sais pas ce que c'est. C'est de l'eau. J'en ai besoin. Mais après voilà, hein, tu testes de toute façon, tu testeras une soirée, si ça te plaît, si ça t'accroche, ben... Eh ben go. Ouais, le coup des monstres dans Dredge, c'est plutôt sympa, ouais. Et je crois qu'il y a beaucoup de choses à voir à ce niveau-là d'ailleurs. Moi j'ai fait qu'un tout petit bout, donc j'ai pas... Mais même en si peu de temps, j'ai vu quand même que y avait de la créature chelou, et ça j'aime bien. Oui, bah oui, c'est vrai que t'en avais un petit peu parlé en début de soirée, Gaël, qu'il y avait... Que le DLC, si tu le faisais, bah ce serait peut-être bien d'avoir joué à Dredge avant. Et effectivement, peut-être pas forcément de l'avoir fini, ça c'est à voir si t'accroches ou pas. Puis ça se trouve, il se finit peut-être... Enfin, c'est sûr, Dredge se finit plus vite pour le coup. Mais je sais pas à quel point la fin peut être galère ou pas, j'en ai aucune idée. Par contre, de voir un petit peu l'ambiance du jeu, ça se... Ah si, il propose un truc quand même, vraiment, le jeu. Un mélange assez, assez rare. Au niveau du genre et des ambiances. On va de plus en plus loin dans les eaux bizarres, ouais, un côté comme ça, ouais. Bon, je pense que j'ai à peu près exploré. Je vais rentrer. Je regarde quand même, j'ai pas fait gaffe s'il y avait une station de modification, c'est ça que je cherche comme plan. J'ai pas fait attention. Non, j'en vois pas. C'est dommage. J'en ai vraiment besoin. Ah, peut-être ça. Ça, c'est pas station de modification, ça? Enfré. Non, c'est chambre d'immersion. Et eh ben en vrai non. Trop pas. Oh putain, ça a ouvert, j'avais pas vu. Bogo ? J'ai même pas fait gaffe. Et en plus, le crossover Dave the Diver Dredge est gratos, de ce que j'ai vu. Ce qui est cool, mais je sais pas à quel point ça va loin le machin. C'est possible que ça aille très loin, je ne sais pas du tout. Ah oh, mais c'est ça que je voulais. Trop bien. C'est parfait. C'est trop parfait. Et ça va me permettre d'avoir une nouvelle combinaison, quelques outils améliorés, mes bouteilles d'oxygène améliorées. Donc que du truc un peu pratique. On va pouvoir entrer à la maison. À la maison. J'ai déjà DL, ok. Là, je suis curieuse de savoir... si t'as vraiment une petite quête annexe avec Dredge et tout, ça peut être trop cool. Bah en fait, à tous les coups, tu vas plonger dans les eaux de Dredge avec Dave the Diver. Vu la gueule des eaux, pas des eaux,
Les eaux ont l'air bien flippantes. D'accord, donc ce serait plus un skin. Je me demandais si c'était ça, ouais. Parce que j'hésitais à le télécharger en même temps que j'ai téléchargé Dev... Ou je l'ai pas encore téléchargé, je ne sais plus. Mais en même temps que j'allais lancer Dev the Diver. Et je me suis dit, bah non, je veux découvrir Dev the Diver dans son ambiance. Welcome aboard, Captain. Ouais, ouais, je comprends. Que tu veuilles pas en savoir plus, je comprends. Ah ouais, j'avais mis le truc... Attendez. Oui, mais j'ai pas de place sur moi. Non, pas trop. Alors j'ai ça. Du coup. Faut que je prenne le Simos dans mes mains. C'est pas ça que je fasse ça. Là je fais ça et là je mets la pile ionique. Ah ouais. Ah ouais, ah ouais, ah ouais. C'est plutôt quali. Ça je pourrais les virer moi. En frais. Un petit conteneur d'échantillons. J'ai vraiment chopé des trucs étranges. Enfin, des trucs qui ont l'air quand même pas super utiles. La combinaison de plongée renforcée, c'est ici qu'on l'a fait. Ok. Fibre synthétique. Est-ce que je l'ai apprise? Je sais plus. Bon, je fais mon verre. C'est tout? Ah oui, mais le quartz est déjà dans... Dans le truc. Oh, c'est un œil, une raie à œil. Adorable. Ah mince, je pensais que je pourrais monter à la surface. Bah tant pis. Je vais me casser. Et il va me falloir du coup un truc pour monter. Mais je vais faire. Et shift pour mettre en raccourci. Un envier 1 à 5. Ah oui, comme ça, tout simplement. Je fais toujours à la souris. C'est juste une échelle que je dois faire. Oh non, ça passe? Oui. Oui, mais là, ça va être chiant. Donc, l'autre côté. Voir tout au fond. Ou alors l'autre côté. Ah ouais, là, ça marche. Trois étages à faire. Bonne nuit Galoen, des bisous. Merci. Œuf de rôdeur découvert. Ça y est, il y a mon requin qui a éclos. Sont où les stockages, les trucs? Ah oui, c'est là. J'ai toujours envie de faire échappe hein, pour quitter les menus. En parlant d'échappe. Ah mais j'ai plus de puissance. J'ai pas fait gaffe. Mais je vais... J'ai plus avoir d'oxygène alors. Ah. En guise Tesla, requin cuirassé. Oui, ils sont tout petits. Mais c'est chiant parce que je pourrais jamais rentrer dans mon aquarium avec ce que j'ai foutu dedans moi. Regardez comme ils ont doublé. Inventaire plein. Je peux même ramasser les requins. Ah mais ça prendrait beaucoup de place.
J'ai que deux panneaux solaires, donc c'est normal que niveau énergie soit pas ouf. T'attaquons pas. Il me semble effectivement qu'il m'attaquait pas. Oh, trop bien. J'aurais mes requins à moi. J'avais vu ça une fois dans une émission américaine où ils refont la déco d'une maison pour une famille en galère, un truc comme ça. Et du coup, le gamin était fan de poissons et de requins, et du coup, il avait eu dans sa chambre son propre aquarium avec des requins dedans. Des petits requins style requin nourrice, mais ce genre de truc. Je sais plus comment ils s'appellent, les petits comme ça tachetés. Les requins léopard, peut-être ? Non, je sais plus. Et du coup, bah, j'avais trouvé ça assez ouf de me dire, les gens, ils mettent des requins, ce qui est quand même voilà, des animaux pas faciles à trouver, machin, dans les mains de gamins qui n'a même jamais eu de poisson. Des roussettes, ça devait être des roussettes, ouais. Ils lui foutent dans sa chambre un aquarium déjà, il est intégré au mur, donc c'était, voilà, c'était dans la chambre, dans le mur. Un aquarium qui va faire full bruit, forcément. Un aquarium avec de l'eau de mer et avec des roussettes. D'ailleurs, elles étaient 6 pour un aquarium qui paraissait quand même pas assez grand vraiment pour 6 roussettes. Et je me suis dit, mais ils en ont rien à péter. Le gamin était content évidemment, sauf que le jour où il va devoir nettoyer son aquarium et qu'il aura peur de foutre la main dans l'aquarium parce qu'il dira ah mais les requins ça fait peur, ça va être super. Le jour où ils devront changer l'eau. Le jour où il en aura marre parce que depuis 3 jours il arrive pas à dormir à cause des filtres et des pompes et des trucs. Bref, ça m'avait un peu énervé. L'aérogel, bah, je peux enfin le faire, mais j'ai même pas vu le truc se débloquer. Let's go ! Regardez, regardez, regardez ! Bref, au fil de cuivre. Je peux le faire. Non, parce que j'ai pas de cuivre. Et où mon fil ? Là. Des jeux comme des autres. Ouais, horrible. Horrible, quoi. C'est Michon, faut pas dire que tu kiffes un truc si t'es pas à fond. Vu que t'aimes bien les gâteaux, ils te font une chambre pâtisserie, un lit en millefeuille, ta maison en muffin. Ouais, ouais, mais bon, en vrai, je pense que c'est toujours... Enfin, c'est toujours discuté avec la famille, j'imagine, quand même. Ils ont pas foutu un requin dans la chambre d'un gamin, des requins dans la chambre d'un gamin, sans être sûr, comme... Enfin, j'espère, mais j'en sais rien, en fait. J'en sais rien, en fait. Mais ce qui est sûr, c'est que c'était vraiment le pire truc, quoi. Après, j'en sais pas si le requin, si le gamin avait peur des requins, mais je peux vous dire que j'en ai croisé plein des gamins qui avaient juste peur des hamsters et des souris, alors bon. Même s'ils en voulaient un. Toujours le paradoxe des gamins. Donc bon, enfin pas que des gamins en vrai. Donc bon, je suis un peu mitigée quant au fait que le gamin puisse de toute façon s'en occuper. Mais ça coûte une blinde de s'occuper de requins. Genre c'était une famille modeste. Enfin, je sais pas, ça me rend dingue d'y penser. Ça me rend ouf. On a trouvé le moyen de foutre des tyrannosaures à un gamin qui aime bien, qui adore Jurassic Park là. La maison était redécorée ultra kitsch. Ma femme était hyper déçue. Ah ouais, t'as déjà vu une émission comme ça ? Parce qu'ils sont toujours en mode oh, c'est trop génial machin. Bon, oh c'est classe, oh c'est si classe. Ah, le fait de voir le toit comme ça là, c'est beaucoup trop beau.
Okidoki. Je voulais voir quoi d'autre. Du coup, j'ai mon filtrage à eau qui fonctionne. Je suis trop contente. Mais ça, il va falloir que je la foute ailleurs. Ça, il va falloir que je la foute ailleurs. Enfin, je fasse une pièce pour ça. Ça va, Alary? Ça va bien? Ça va, la vie? Ah, piafement. Bon, eh ben, j'ai vachement bien avancé. Par contre, j'ai des trucs ici, là, ça me saoule, je fais pas exprès. Oh, oui, je veux ça. Ah, mais oui, c'est vrai, je peux faire mon cube. Je vais m'occuper de mon cube. Je vais vous montrer mon cube. C'est ça que je veux. Par contre, j'aimerais bien tout désépingler. Voilà, tout simplement. Merci le jeu. Tu es incroyablement malin. Mon cube. Hein ? Je l'avais mise là-bas, là, avec le cube. Et ça gênait un peu. Quoique. Oh, peut-être pas. Oh, peut-être pas tant que ça. Peut-être pas besoin en plus de le mettre trop proche, trop facile d'accès, puisqu'il va me servir assez peu. Il va me crafter des trucs, et une fois crafté, ce sera bon. Alors au bord de l'eau, ça gênera peut-être moins. Moins, peut-être. Est-ce que je peux l'encadrer là-dedans? Non, mais en même temps, c'est déjà un peu galère. Tuant en fait ici, je peux pas le coller au mur bien comme il faut. Ici je peux le coller au mur. Te coller au mur là. Mais pas vraiment, regardez. Ça va me gêner quand je vais aller là. Oh, ça va pas trop. Limite je mets à côté de ça. Là, ça gêne déjà, donc bon, peut pas être pire. Ouais. Titane, diamant, plomb. Combien de titane? Juste un? Circuit intégré. Il faut de l'argent pour ça. Merde, ça n'en est plus. Occupe-toi de ton cube, je m'occupe de mon cube. Tu t'occupes de ton cube. J'ai pas l'impression. Ah, oh, mais c'est pas le fou de cette merde. Pourquoi j'ai ramassé ça moi aussi? Ça aussi. Ouais, j'ai une pile qui est pas full. Ok, ça fait de l'eau. Ça a l'air super. Ça a l'air super. On va aller chercher de l'argent. On va aller bosser un peu. Welcome aboard, Captain. Sur la BBC en français, votre maison entre leurs mains. Le couple est choqué. En même temps, c'est une déco vraiment intense. D'accord. Putain, je sais pas laquelle j'ai déjà vue. J'ai pas beaucoup vu ces émissions-là. Donc... Oh, la baleine. Donc je peux pas trop... J'aurais pas dire le nom. Donc c'est son cube, une grande histoire d'amour. J'adore mon cube, perso. Botte du cube. Au lieu de dire du cul, on va dire du cube, c'est parfait. Oh, il me faut des graines. Comme ça, je fais pousser ma truc. Ça suffit.
ça va, j'ai de la place encore. Est-ce que c'est vraiment dans ce biome-là ou pas trop, ou je suis folle? Les trois en même temps, c'est possible? Ouais, je vais aller la voir là-bas. Il me faut toujours du verre, moi. Bah ouais, hein. Je vous ferai signaler, hein. Je vous dis ça comme si vous y étiez pour quelque chose. Vous y étiez pour quelque chose. Il faut toujours mon verre, moi, en fait, hein, tiens à vous dire. Ça vient de faire un petit effort, quoi. Il y a toujours les mêmes qui bossent. Oui, je pense que c'est celui où il y a le bus, ouais. Je pense que c'est l'émission que j'avais vue, je crois que c'est celle où il y a le bus qui est devant. Comme celle qui a été reprise en France. Je crois que c'était celle-là. Il y a un gamin qui a un aquarium à requin. C'est notre petit cube. Oh ouais, c'est bien comme titre. J'aime trop la vue comme ça, j'aime trop. Je viens d'où, moi? J'ai pas pris le Sea Glide dans mes mains. Parce que j'ai aucune logique. Et où? Quoi, inventaire plein déjà? Ah. Manger ça. 30 seconds. Ah mais c'est du cuivre, c'est trop chiant. Putain, j'ai fait tomber un truc. Arrête! C'est bon, j'ai récupéré, je me tire. Ça saoule. C'est pas ce biome là, c'est le biome rouge, je crois. Merde. Faut que je fasse gaffe parce que mon machin, il doit être un peu cassé là. Oh, ça va. Terre émergée. Oh, ok, cool. Mais attends. De rendez-vous de l'Aurora. Mais j'y suis déjà allée. Ah, il me fait aller à l'Aurora maintenant alors que j'y suis déjà allée. Est-ce que ça débloque un truc d'y aller quand il te le dit? Je sais pas. Je sais pas du tout. Oui, c'est ça, en français c'est les maçons du cœur, je crois. Là, il y a que dalle en fait. Il y a que de. Bon, ben. Arrêtez de manger mon truc, putain, on peut plus des poissons qui me suivent pour manger mon simos. Trop chiant. Ah, mais oui, mais il y a du quartz ici aussi. J'ai fouillé ça là-bas. Je suis pas très sûre. Pourtant, c'est vraiment en face de chez moi, quoi. Je vais aller voir. L'agression, mais surtout que j'étais tranquille là. Pour une fois, j'ai pas shooté. J'avais pas shooté de poisson depuis au moins 5 minutes. Non, en vrai, c'est pas vrai. Il nage vraiment bizarre celui-ci. Ça c'est pas avec le machin laser. Mais par contre. Ici. Ah bah c'est celui-ci, bah si j'y suis allée, ok.
femme est pas contente car j'ajoute du cul après chaque mot depuis 3 jours. Mais c'est trop drôle, faut que tu lui dises, mais c'est trop drôle. Elle va dire ouais, c'est vrai, et là vous allez rigoler, arrêt sur image, fin de l'épisode. Générique. J'ai dit que c'était de ta faute. C'est plus de la tienne, je crois. Ça, et de la faute de tout le chat qui me corrompt. Arrêtez de corrompre, là. Bonne nuit, Neptunia, des bisous. En deux tours. Arrêtez, arrêtez. Attendez, j'ai entendu, hein. Regardez, regardez, il est là. Regardez-le, là. Et en plus, il se casse après. Vraiment, il met un petit coup de latte à la bagnole, puis il s'en va en courant. Pleutre. Mais oui, non, mais en plus, il y a plein de gens qui le font, le coup d'ajouter du cul. Il y avait même un pote qui le faisait. Moi, je découvre ça après. Je sais pas. Je découvre ça après les gens. Bon, bah, tant pis. Oh, c'est beau. Sick fluide. C'est bon, dis-moi le temps. Oh, là, il y a des cailloux comme je veux. Bon, on va continuer ici. Bon, là de toute façon je suis cool encore, donc faut qu'on ramasse encore un truc. Voilà. J'ai ramassé un truc qui m'est maintenant totalement inutile. Non, pas totalement. Rentre à la maison. Mais du coup là mon vaisseau, il a 100% d'intégrité. Sa carcasse. Donc ça veut dire que quand les poissons l'attaquent, il prend pas cher. Vous avez vu, je me suis arrêtée. Non, il faut faire un effort là, au bout d'un moment. Alors comment ça se fait que... Parce que des fois je le laisse et il prend cher quand je suis pas là. C'est les gros poissons. Je vais où moi là? Je fais n'importe quoi. Non, c'est bon. Il raye le Simos avec ses clés. Et il s'enfuit après. Mais j'ai totalement l'impression, les poissons rouges, c'est vraiment ce qu'ils font. Jut. J'aime trop la lumière que ça fait. Mais c'était ça aussi que j'avais fait. J'avais fait des pots de fleurs. À l'extérieur. Et du coup, ça éclairait ma base de loin. Parce que j'avais mis dedans des algues. C'était trop joli. Oups. C'est aussi ça qui explique les dégâts que je prends. Attends, je fais hyper gaffe. Welcome aboard, Captain. Warning, emergency power only. Power restored. Il va falloir que je passe à un autre type de... Un autre type d'alimentation. Genre quoi? Genre les trucs... vu que j'ai des plantes à revendre, bah ce serait les trucs, comment on appelle ça Ben oui, mais parce que quand il fait nuit, il n'y a plus de soleil. Coucou Gamepad. Puis voilà. Elle est où ma flotte? Pourquoi elle apparaît pas ma flotte? Ah oui.
Circuit intégré, c'est ce qu'il fallait que je fasse. Bah, pas tout de suite. Un bioréacteur. Oui, c'est ça, faudrait que j'ai un bioréacteur. On va chercher cette Tesla avec deux panneaux. Ça reste un rêve. Hein. Ça va. Ça va, j'ai que deux petits panneaux pour toute une base. C'est juste que bon, bah la nuit, il fait plus jour. Quoi. Côté solaire est un petit peu plus... un peu moins solaire, quoi. Mais oui, c'est vrai que le purificateur, il consomme tout le temps. Qu'est-ce que je suis en lit. Bon, et ben, un bioréacteur. Mais je le fous où, mon bioréacteur? On va me prendre la place. Ah! Il y a mon eau. Saisis l'eau, s'il te plaît. Ah non, c'est en cours. Merde. D'accord. Sinon, bah, je peux le mettre là-haut, limite. Parce que j'ai la place ici, mais j'ai zéro place. Qu'est-ce que je fais, moi? Je pète un plomb. Il faut une autre pièce. Pour mettre mon truc. Soit j'ai une pièce avec que des coffres. Soit j'ai pas envie. Oui, non, mais je vois, je vois. Je vois la puissance. Je sais qu'il faut que je fasse autre chose. Pour la nuit, au moins. Juste que je suis en train de me dire qu'il va falloir qu'on fasse, que j'agrandisse ma base. Pas trop le... trop d'alternatives, là, tout de suite. Réacteur thermique, il y a une source de chaleur pas loin. Source de chaleur, elle est quand même un peu loin. Non, mais bioréacteur, ça peut le faire, juste si j'ai besoin de place, quoi. Source de chaleur, il y en a genre... un peu là-bas, je crois. Voilà. En vrai, c'est pas si loin. Mais du coup... du coup, ça va être moche si je mets plein de relais et tout et tout. Faut tirer les câbles, oui. Ça va pas être beau. Je peux pas faire ça en souterrain. Oui, 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 oui. Ici je peux, mais ici je peux faire une terrasse. Ici je peux faire une petite salle en plus ici. Enfin, une petite. Une grande salle en fait. T'es mal à la taille de la salle. Non mais elle est immense. Oh non, c'est trop grand. Putain, je fais bien les relais, c'est pas cher. Ah ouais? Bon, déjà le bioréacteur c'est très simple à faire. Mais j'ai pas encore moi le truc thermique. Bah oui, c'est ça le Fuji. Ah si, c'est là. Contrôle thermique. Bon, ça va, c'est pas très compliqué non plus. Et ça, or et titane. Il faut en mettre beaucoup. Ah, la grande salle là. Dans la grande salle, t'as vu la tronche là? Elle est dégueulasse. Vas-y. Moi, je voulais faire une petite base. Feng Shui. Bon, attendez, déjà, je fais un truc. Mais c'est dans un volcan, je crois. Hein. Non?
Circuit intégré, titane, diamant, plomb, tessiment, qui tout là. Circuit intégré, titane, plomb, pas de diamant. On va, pourquoi il veut pas me la construire? Ah merde, j'ai fait le mauvais truc, j'ai pas fait circuit intégré, j'ai fait autre chose. J'ai fait ça. C'est ça qu'il faut. Oh, les martuis, ouais. Non, moi j'aime pas les grandes pièces, les grands trucs. J'aime jamais ça. Dans aucun jeu, je fais des trucs immenses. Dans la plupart des jeux, j'essaie de faire un truc qui ne nique pas le décor. Excuse-moi de pas vouloir faire des parkings partout. Ouais! Bien. Je peux construire des panneaux dedans pour faire une petite pièce. Oui, mais ça nique le décor, c'est surtout ça. C'est pas le temps le fait que ce soit grand, c'est pratique, oui. Mais c'est que de l'extérieur, ça va être dégueulasse. Là, c'est encore un peu à bord de truc. Mais là, où que je la mette, ça fera dégueulasse. Trop grande en vrai. Regardez ça, regardez ça. J'aurai plus jamais de belles vues. Non mais ça va me saouler. Non. Bon, alors au-dessus de celle-là. Non. Mais regardez, tu la mets au-dessus. Regardez ça, elle dépasse de partout. Regardez ça. Un peu moins le décor. Parce qu'après, en attendant de faire des tuyaux, je peux juste mettre une échelle. Vous voyez ce que je veux dire? Mais bon, le truc thermique, l'avantage c'est que c'est qu'il n'y a jamais besoin de recharger quoi que ce soit. Regardez, c'est là-bas le truc thermique. Si on fait un truc thermique, c'est genre... On pourrait passer peut-être en souterrain. C'est là. Là, je pourrais mettre une centrale thermique. Après, faudrait la mettre peut-être assez basse, non? Quoique non, là où je suis, j'ai déjà chaud. Genre ici. Puis après, relais. Ici. Puis après, relais. Ici. Puis après relais ici. Oh non, tu fais un mauvais chemin. Les antennes de la salle d'immersion, mais ça va rien ces antennes de toute façon. Ouais, la centrale thermique, je l'ai, ouais. One billion relay later. Non, attendez. C'est plus en mode. Ici. Après, on fait un. Ici. Après, on fait un. En vrai, ça le fait. En vrai, ça le fait. Non, il n'y a pas besoin d'un couloir d'accès. Je pourrais mettre une échelle, je pense. Genre sur le teco, là. Ça passe, non? Je sais pas. Non, mais cette salle, elle me donne pas envie, hein, je vous avoue. Moi, je voulais faire surtout des jolis trucs et là, je voulais mettre du vert aussi un peu partout, là. Regardez, on voit les poissons. L'échelle, ça marche. Ouais, voilà. Déjà, je mettrai une échelle et après,
après quand j'aurai fait une pièce ici, des couloirs qui font bim et qui font bim, là voilà. Ici, je pense que je mettrai un observatoire. Plus d'oxygène. Oui, mais... Par contre, j'ai giga soif. Pardon, j'ai fait du bruit. Moi. Une échelle d'un tas d'immersion ? Ben, on va tester. Je vois que le doute vous habite. On va tester immédiatement. Il faut quoi pour la faire ? Lingot de plastacie x2. Oh, trop chiant ! C'est-à-dire qu'il faut deux lingots de titane avec des trucs, avec des dents. Des titanes et des dents. Ah non, c'est du lithium. Oui, d'accord. Je confonds avec le verre émaillé. On va voir déjà la centrale thermique. Attendez, il faut quoi pour la faire ? J'ai quoi sur moi là ? Un truc inutile, enfin inutile, que je devrais ranger et que je vais ranger plus tard. De magnétite et aérogène. Bon, ça je peux faire ça. C'était 5 titanes, 2 magnétite, 1 aérogène. 5 titanes, 2 magnétite, 1 aérogène. Oh, j'en ai plus de magnétite. Ça sera pas tout de suite du coup, on va tester ça. C'est bon, la bouteille d'eau est finie. Mais pourquoi je me coince dedans ? Il n'est même pas fini. Parce que là, l'énergie, ça descend vraiment à vitesse grand V. Vitesse grand V. Bon, déjà, je dégage ça. Ça, c'est... Ah si, c'est dans méthane. Ah oui, c'est dans méthane. Je vais mettre ça avec. Parce que je l'ai fait sans faire exprès. Précieux, tic-tic. J'en ai combien ? J'en ai pas beaucoup. Et mon coutal ! Là. Ah, elle est finie ? J'ai pas pu la ramasser tout à l'heure. Ah oui, d'accord. Ok, merci. Ok, d'accord. J'avais pas pissé. Bah, d'ailleurs, je vais boire. Qu'est-ce que je fous ? Je voulais aller à ma salle d'immersion. Bonne nuit qui aime pas de dormir. Oh là là, la petite parenthèse. Limite, t'aurais pu dire bonne nuit les jeunes et Gail. Ça aurait été encore plus subtil. Titane du coup et magnétite, magnétite c'est où ? J'essaie de me rappeler. Est-ce que c'est pas... Des fois je vais afficher une map. Est-ce que c'est pas au biome où il y a des champignons ? Elle envoie un coup de canne. C'est très efficace. Et là, il valait des lingots de plastacier, donc il me faut full titane de toute façon. Ça, je ferai pas d'erreur en allant chercher. Juste que la magnétite, bah, je sais plus trop où c'est. Mais je pense que dans le biome à champignons, il y en a. Mais je vais où là? Attendez. Pas être trop mal par là, je pense.
Je vais voir déjà si ce biome... Non, il n'y en a pas ici, je pense. Par contre, il y a sûrement des... des débris et des conneries comme ça. Pas dingue non plus. Coucou, c'est qui? Salut Sandou, comment ça va Sandou? Ah, le regard, enfin pas le regard, le sourire de ce requin là. On va appeler ça un sourire. Quand on le voit de loin, il est un peu illuminé. Et on voit ses grosses dents rouges. J'aime bien ce mob. Pardon, le poisson. Oh punaise, il a pris cher mon Simos. C'est un gros poisson. Merde. Je faut pas que j'aille là-bas, moi. Pas tout de suite. Non, je voulais pas te cogner. Ça va. Attendez. Qu'est-ce que je fous, là? Mais du coup, le point là-bas... Rendez-vous de l'Aurora, donc c'est là où ça a explosé. Le jeu, il veut que j'y retourne. J'ai pas fait gaffe à quand j'ai reçu le truc. Je devais être en train de crafter. Sandou, il se réveille à 3h15 du mat. Pensons qu'il est 19h. Oh, les rythmes. Les rythmes qu'on a tous. Du coup, c'est mieux ou... Enfin, c'est bien parce que t'as pu dormir. Tu pensais qu'il était 19h genre aujourd'hui ou 19h hier, donc t'as trop dormi. Du mal à savoir si... Si c'est une bonne chose ou pas. Ouais, pour moi, il s'est levé plus tôt, ouais, du coup... Et puis on est quel jour? Bah depuis 3h30, on est vendredi. Moi j'aurais dit on est jeudi instinctivement parce que j'ai pas dodo, mais toi t'as dodo donc je peux pas le dire donc... Je précise. Bon, c'est pas là que je veux aller. C'est pas le bon biome je pense. Putain, c'était... Ah mais je suis là, oui d'accord. Ouais non, c'est pas le bon biome. Pas le bon. Bah, c'est plutôt là-bas, je crois. Qui pue. En plus, je fais nuit. Je vois que des bulles. Ou pas de bulles. Il s'est endormi, on était mardi. Il pensait qu'on était 19h jeudi. Pardon. J'ai pas mis mes phares. Non pas que ça aurait changé quoi que ce soit, mais j'aurais vu au moins ce qui se passait. C'est quoi le jeu à base de Doom 2 dont la démo était giga longue, on t'a regardé jouer, genre 2 semaines. C'était pas une sorte de mode de Doom? Non, t'as raison, ça devait être un autre jeu. Il y a 2 semaines, tu veux dire hier pour lui, ouais, c'est ça. Age of Hell. Et t'as testé Bolt Gun, Thunder, toi qui aimes bien les Doom-like. Moi, il me bottait bien, mais en fait, il a l'air d'avoir pas du tout de musique quand on voit le... Enfin, quand j'ai regardé le trailer, il y avait pas de musique. Et du coup, je me suis dit, mais sans la musique, il y a quand même 50% d'intérêt en moins. Bolt Gun, pas encore vu. C'est dans l'univers de Warhammer, et sinon, c'est un Doom-like, comme
comme la tronche de ton jeu que tu as fait la dernière fois. Bon bah à défaut d'avoir pris autre chose, je vais au moins prendre full titane. J'ai de la place. Je peux mettre dans le petit stockage. Maintenant j'ai ça. Je peux même faire un autre module. Ah mais merde non, je l'ai pas vidé parce que je suis trop nulle. Je suis partie en vadrouille, je vais continuer. C'est bientôt sur YouTube, genre dans 10 minutes. Ah ouais? Et tu postes... toi tu les fais pas en avance et tu fais pas le... En mode poster... enfin en prévision, je sais plus comment ils appellent ça. Programmer pour, voilà. Tu les programmes pas les VOD? Moi je les programme. Comme ça, ça fait genre je suis réveillée à 14h. C'est parfois le cas, pas toujours. Ok, bon, c'est tout, il a pris cher. Voilà. Alors je pensais que c'était ici la magnétite. J'ai peut-être tort. Ça m'étonnerait hyper vachement. J'ai peut-être tort. Oh, c'est beau. Merde, j'ai pris un truc. Putain. Que du lithium ici? Non, je crois pas, non. Mais j'essaye de l'éviter les poissons. Oh, arrêtez, hein, vous qui avez joué à Somnotica, arrêtez de faire genre ça vous est jamais arrivé de taper des poissons avec votre pare-buff là. J'y crois zéro. Et personne vous croit. Et les dieux de Somnotica vous regardent et vous jugent en disant. Tu juges toi alors que tu as fait bien pire. Et après ils font la tête de Fry. Alors je ne vous crois pas. C'est full lithium ici alors. Ok. Chiant. Par contre ça c'est beau ça. C'est un œuf de raie. Welcome aboard, Captain. Ça dans mon aquarium. J'ai fait une run poisson laisse perso. Je suçais du plancton. J'aime beaucoup le fait d'avoir choisi d'utiliser le terme sucer pour du plancton. Je manie Cyclope dans sa tuyau d'arrosage sans problème. Ça dégoûte. Aouh, je me suis cogné. Ah non, mais mon Simos il va pas bien. Ça dégoûte. Magnétite, il y en a là. Là ici, c'est sûr. Ah. Fuck. Je sais plus où je l'ai trouvé. Entre à la maison.
Je sais pas. Je crois me rappeler que sinon c'était au bord du de l'Aurora. Du tombant de l'Aurora. Mais sinon, ce que je vais faire c'est aller là-bas. À la terre émergée. Comme ça je vais avoir des ressources un peu. En attendant, je laisse comme ça. Et je vois juste pour améliorer les trucs que je peux améliorer, genre ma bouteille d'oxygène ou mon simoth. La magnétite, bah quand je tomberai dessus, au moins je saurai où c'est. Je suis tombé dessus, mais j'ai oublié où c'était. Je sais plus. Ouais, pour moi c'était le tombant. Y'a. Vers là où on rentre dans l'Aurora. Explosé. Et après terre émergée, bah vu que j'y suis déjà allé, est-ce que ça sert à quelque chose que j'y aille, vu que j'ai déjà trouvé les trucs je sais pas. Bon, je peux y passer vite fait pour voir. Mais bon, je pense que ça vaut pas le coup que j'y aille en vrai. Un terre-plein, c'est vrai, j'avais oublié. Qu'est-ce que je fais là? Ça vient. Faut que je fasse des lingots de titan. Je préférais le grand aquarium carré quand même de Bilo Zero. Alors, ça au moins je fous là. J'ai de quoi faire un autre lingot de titane, je crois. Deux lithium. J'en ai pas tant que ça. Hein. En plus, j'avais plus de place pour en prendre. Où est-ce que je l'ai foutu, moi, mon truc? Je suis garé où? Au-dessus de moi? Je veux pas faire ça, arrête! Tu te rappelles plus à garer son simos? Bah oui, ça arrive tout le temps, ça. Il me semble pas non plus que j'ai vu tes chromes carrés même sur d'autres parties. Il me semble pas. Enfin, ça fait longtemps. J'ai soif! Ok, lingot de plastacie. Est-ce que je peux en faire un autre lingot de plastacie ou pas? Oui, je peux. Ah, c'est deux. Non, bah non, j'ai pas de place.
Ah oui, c'est ça, la grande salle n'était pas dans celui-là. Ok, mais du coup... Oh, trop bien. Du coup, vous pensez que maintenant qu'ils ont rajouté des trucs qu'il y avait dans Bido Zero, est-ce que du coup, là, quand même, pourrait s'adapter vu qu'on est après ? Non, dans celui-ci, il est oblong à tendance décaèdre bifurqué. Ouais, mais seulement en quinconce. Est-ce que j'ai encore des coraux ? C'est que celui-là, putain. J'ai rien, j'ai jamais ce corps. Mais les coraux aussi, on peut pas les stacker, c'est trop dommage. C'est bien quand on pouvait les stacker. C'est pratique. Hop là. Bah on pourra tester après le coup de l'aquarium, mais bon. À moins que en faisant cette salle, on débloque un aquarium. Un grand, ça m'étonnerait, mais c'est vrai que j'aimais bien le celui de Bido Zero. Voilà, mais je fais un petit stock dans ma toussant. Et ça, ça va. Il y en avait plein là. J'avais oublié. Un jour, fasse des armoires, je crois. Ok. J'ai mon lingot de plastacier. J'en ai même deux. Pour la grande salle. Même si elle me saoule. Mais bon. Je le fais parce que vous avez insisté. Parce que vous, vous aimez les parkings. Oh, je perds du 4 points. Je vais voir si ça marche de faire une échelle. Il y en a qui ont dit oui, il y en a d'autres qui ont dit non. Moi, je dis testons. J'avoue que ça me paraît bizarre aussi parce que c'est pas relié. Attendez. Je fais mon échelle. Si je la mets un peu en biais, ça passe. Hein. Et moi, j'aime le biais. D'accord. Bon, bah pour le moment, on a une super bonne pièce, pas du tout accessible et qui m'a coûté cher. C'est super. Ah oui, faut que j'aille chercher mes plantes. Je crois que mes plantes, j'ai envie de les mettre à l'extérieur, moi. Mais je peux en mettre une dans l'aquarium et deux à l'extérieur. Une dans l'aquarium pour la déco. Et d'autres à l'extérieur pour la déco aussi. Je récupère quand tu l'as déconstruit. Oui, sauf que lingots de plastacier, tu peux pas les déconstruire. Alors voilà. Ça permet d'en faire la salle ailleurs. Je vais pas la refaire ailleurs, je crois. Hein. Sinon, elle va trop gâcher le décor, déjà qu'elle est dégueulasse. Qu'est-ce que je voulais faire, moi? Ah oui. Non, je vais la faire à cet endroit-là, mais je vais la relier avec des tuyaux. Et moi, je vais faire un pot de fleurs dehors. Parce que comme ça, ça va éclairer ma base et ça va être sympa et ça va être comme un jardin. Mais marin.
que c'est titane. Parce que j'ai tout mis dans un goût de plastacier pour une pièce immense qui va pas me servir. Vous êtes content? Avec votre pièce pourrie là. Plaisante. Vous êtes super. Merde, j'ai fait clic droit. Reviens là. Is a proven survival strategy. Craig McGill survived 47 months. Cette pièce est une promesse d'un avenir radieux. Salad of live tree roaches and stag root. Ou alors je la fais en dessous. Mais non, mais on peut pas faire une pièce en dessous, une autre pièce déjà construite. On est d'accord. On peut faire au-dessus, mais pas en dessous, parce qu'il y a les. Les poteaux. Qui, eux, ne sont pas. Pas dynamiques, quoi. Ils vont pas. Là, c'est super, merci. Je prendrais pas des sacs gélatineux avec. Base autant, mais c'est qu'en fait là il y a déjà une grande pièce, alors je me tue d'une autre grande pièce, sinon c'est moche. Arrêtez de penser que ça c'est pas moche. Bon, attendez, on va écoutez, analysons où est-ce qu'on peut la poser. En vrai, il n'y a pas pour que ce soit pas dégueulasse. C'est ça le plus compliqué. Comme un chien fout sa merde. Wow, je vais pas mettre là comme ça. Yeah. Trop dégueu. Oula. Ah non, c'est le toit. Je peux mettre plus bas. Ah, je peux mettre là comme ça. Putain, déjà analyse. Si je mets là au milieu. Oh mais là j'ai mis des plateformes, ça va pas lui plaire ça. C'est sûr, ça va pas lui plaire. C'est sûr. Attendez, je regarde. On enlève la baie vitrée vers la baleine et on relie. Non! S'en servir de hub central. Ça va être trop mal. Moi je vais m'en servir comme pièce de stockage. Attendez. Sinon, je regarde. Je regarde. Sinon, c'est ça. Effectivement, on la met devant. On va chialer en disant ça, mais ok. Là c'est juste pour le mars. Bon, on sera pas tout à fait devant comme ça, pas comme ça. Et là on verra mieux la baleine finalement, parce que là on va mettre un putain de toit vitré avec plein de baies vitrées. Vers là où j'ai mis mes plantes, après c'est chiant. Comme ça, ça passe en vrai. Ça a coûté une blinde en renfort. Mais les renforts, ça va, c'est pas très cher. Écoutez, on a besoin de baies vitrées, putain. Bien baies vitrées pour la structure. Mais il y a des renforts. On peut même les construire avant. Titanium. Easy pee.
Comment ça? Non mais vraiment, je vais... Non mais attendez, hein. Qu'on soit clair, hein. On va pas être dans un bunker, hein. On va avoir des fenêtres, hein. Bande de fous. Oh non, l'extérieur, oh là là, on va mourir. Ça va, hein. Ça passe de ce côté. Alors plutôt comme ça ou plutôt un peu décalé? Genre je vais mourir. J'aurais pu remonter à la surface, j'étais pas loin. Moi j'avais tout vitré. Ah. Sans mettre en lieu de vie en baignoire géante. Écoute, dit comme ça, ça a l'air super. Moi, je vois pas le problème. Peut-être plutôt de ce côté-là. Attendez, je regarde. Comme ça. Mais le problème, c'est que je pourrais pas relier les deux. Ou alors, ça faudrait que je décale là-bas. Et là, après, je pourrais éventuellement relier là aussi. La mettre un peu plus. Ah, peut-être comme ça plus. Ah, là c'est mieux. Là je pense que c'est mieux. C'est plus adéquat. Le OST somatique est dingue. Parce que le jeu est dingue. Mais il va y avoir des grands poteaux. On va voir combien ça fait à ma structure en intégrité. Moins 4 points. Non, mais ça va, je gagne 7 à chaque fois que je mets un renfort. Ça va. Mes plantes, elles ont poussé. C'est trop mignon. Tous mes renforts. Là. Je suis une dégénérée. C'est là. En la tournant? Ah ouais, tu penses? En la tournant. Pour qu'elle soit comme ça là. Non, je préfère comme ça, c'est plus harmonieux. J'avoue, je préfère comme ça. Là, comme ça là. Je préfère. Bon, titane, lithium. Sans âme, mais ok. super. J'aurais pu mettre mon aquarium au milieu du coup. Mais bon, maintenant c'est un peu trop. C'est trop beau ça. J'avais dit lithium titane. J'ai plus de lithium et j'ai plus de titane. Ouais, simplement. J'en ai déjà. C'est du plomb ça en fait, faut que j'arrête de prendre le plomb. C'est toi qui fais ce bruit là? Oh, c'est si chiant. Alors le renfort. On peut pas mettre de renfort où il y a un truc posé contre le mur. Là, je mettrais peut-être une fenêtre. Alors peut-être ici. Ouais, je pense que si je mettais une fenêtre, je la mettrais là. Ouais, alors je vais mettre ici. Non mais c'est easy. Ma fenêtre. Pourquoi j'ai plus ce qu'il faut alors que je viens de la faire dépop ma fenêtre? Pourquoi j'ai plus de quoi la crafter? Oh, mais toute petite. Je l'ai placée déjà. Je peux pas.
Ah oui, tant qu'il y en a une qui est en construction, je peux pas en mettre plusieurs, oui c'est ça. Vite vers la baleine, c'est vrai, comme si j'aurais 4 vite vers la baleine, c'est vrai. Plus peut-être ça, si j'ai envie de le faire. Mais je verrai parce que, imaginons on met un étage et à l'étage, là on met le truc, si c'est possible. Mais comment ça se fait? Comment ça se fait que j'ai pas mon verre quand j'ai fait... Bizarre. Ce bruit. Un observateur sur le toit. Mais oui, c'est ce que je me dis. Mais je vais quand même mettre une fenêtre. Hein. C'est la pièce où je vais passer le plus clair de mon temps. Je la passerai pas sans fenêtre. Nul le labo. Un Pokéball en verre, c'est oppressant. Il est sorti par la bite, celui-là. Oh, la fenêtre est plus petite. Merci pour le follow. Merci, Giuseppe. J'ai peut-être trop mal dit. Trop. Vraiment désolé. Elles sont petites. Elles sont plus petites, hein. Il m'en faudra une autre, hein. Petite. Il m'en faudrait une autre là et une autre là-bas. Pas le choix. Elles peuvent même pas être collées, elles sont petites. On voit plus mes baleines. Ah oui, d'accord, même, pardon, j'avais zappé. Bah, vu qu'il est toujours. Oh, si! C'est un génie. Regardez, il est rond de base et quand on le met dans la pièce carrée, il est tout carré. C'est du silence. C'est bon à savoir ça. Ils ont dû patcher. Ouais, bah vu que la pièce ils l'ont rajouté après, ils ont dû rajouter cette possibilité après aussi. Mais bah du coup, que après la sortie de Bidou Zero, donc vraiment des années après le jeu quoi. Non, mais vas-y, je suis en train de repenser à tout ce qu'on... Attends. Est-ce que du coup, autant faire l'aquarium là, non? C'est vachement mieux que l'aquarium en rond. Par contre, il est cher celui-là. Ouais, 4 verres de titane. Mais en 2 étages, ça suffit. Pas rond, oblong. Mais alors là, là, il est rond quand même. Enfin. Je veux dire. Il a les deux côtés plats. Donc cylindrique. Mais ça, c'est rond par contre. Là, il est différent. Il est. Là, il est oblong. Et moi, quand je disais rond, je pensais à l'autre. Au bron, au pire. La com d'une case peut contenir 10 poissons. Là, il ferait combien de cases là? 6 cases? Ah, 2 cases là! Ça, c'est que 2 cases ça? Ok. 20. 20, c'est pas mal déjà. Hein. 20, c'est pas mal, surtout si après tu fais en 2. Ou au brun. Il n'y a plus de sens. Oblong trapézoïdal à tendance rectangulaire. C'est fait effectivement, mais ressenti carré quand même. Oh, ma fenêtre elle est toute petite. Cette fenêtre me dégoûte. Elles sont minuscules. Putain, par rapport aux fenêtres de ça, les fenêtres de ça font tout ça. Et là, du tout plus. Je vais arrêter de chouiner quand je m'en serai remis. Les bébés dans le bioréacteur, les bébés poissons dans le bioréacteur. No.
Je réfléchis, parce que là, on a des possibilités. Donc, ce serait genre là, du stockage, des machines, ou non, des vitres. De toute façon, le stockage, je peux aussi mettre là-bas, genre, il y a de la place. Donc, stockage, la fenêtre, la échelle, ou ici plutôt, la machine. Et au-dessus, je mets d'autres trucs. Bon, on va faire ça. Mais du coup, est-ce que je peux ? Bah non. J'imagine que l'aquarium, même celui qui est tout là-haut, je pourrais pas décraft ce que j'ai fait. Faudrait que je prenne les poiscailles. Je pense. Poissons ont disparu. Non, ils sont là. Mais où est-ce qu'ils apparaissent? Enfin, comment ça se passe si je fais ça? Non, c'est vrai qu'il pourrait me faire rager, comment ça? Ma baleine. Deux baleines pour le bioréacteur. T'es un dégénéré. Agitation phobique. Symphonie. Par contre, attendez, vraie question. Là, je peux faire ça, vous avez remarqué? Je peux faire ça. Mais où seront mes poissons? Là, ils reviennent de là-haut. Ah, mais non, d'accord, je vois. Ok, je vois. J'ai pas de porte pour aller là-haut, fais chier. Bon, ou alors je laisse ça pour le moment. Mettre dans un inventaire, non. Non, je crois qu'en fait ça marche parce qu'en fait c'est que le bas que je décrafte et eux ils montent. Je crois que c'est juste ça ce qui se passait. Il y en a un qui est redevenu œuf. En fait non, c'est un œuf que j'ai posé, que j'ai trouvé plus tard. Donc il est resté, il reste œuf lui. Mais en fait je crois que quand là je décrafte juste le bas. Et du coup il remonte parce que en fait là c'est trois aquariums superposés donc il remonte à celui d'en haut. Oh, pour le moment je vais essayer comme ça. Il est cher celui-ci. Si cher, il est cher, mais en même temps. Pourquoi pas? Va falloir farmer. Ok, c'est y part. Qu'est-ce qu'il me faudrait d'autre? Imaginons, je fais ça, il me faudra du titane. Recharger les batteries capacité, en vrai, c'est pas très très important. Et après j'ai des améliorations aussi à pécho à faire. Je vais regarder vite fait tant que je pars en explo. Même si en fait il me faudrait de toute façon. Ah, je peux déjà aller faire celle-là. Votre plastacier ça se fait. Ok, ça va. Faudrait que je retrouve de la magnétite.
Est-ce qu'on irait pas un peu explorer? Je vais me prendre... j'ai quoi dans mon inventaire? Juste ça. Mais ça là, je sais pas quoi foutre. Je sais pas où foutre. On peut ramasser les poissons dans l'inventaire pour les transférer, ok. Ok, ok, ça je me demandais, vu qu'il y a des poissons qu'on ne peut... que dans le reste du jeu on peut pas ramasser d'habitude. Je me demandais. Et je pense que je vais arrêter la VOD ici. Je vais aller farmer un peu, chercher un peu du matos. Du coup je vous dis des bisous la VOD. À moins qu'on aille vite fait là-bas. Ah ouais, avant, on va aller là-bas quand même. Pour voir ce qu'ils nous veulent, même si en fait bah, c'est juste pour me faire aller là-bas. Tu peux lâcher à côté de la base. Ok. Marrant. Ouais mais non, si ça déclenche des trucs, j'irai peut-être plus tard à ça. Je vais juste essayer de choper du matos. Ouais, on va faire ça. Je change beaucoup d'avis. Mais c'est que là j'ai vu l'heure. Des bisous la VOD. Ciao.